Je suis capitaliste. Attention. Yo les gens, c'est Badjoumi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle bad reprise dans laquelle nous allons faire un petit challenge. Alors oui, ça va être un challenge un petit peu complexe car cela consiste à être raciste pendant 24 heures. Ah non mais là c'est sûr on aura des problèmes. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que en fait les racistes ils sont un peu bizarres comme gens. Du coup moi j'avais un petit peu envie de me mettre à leur place histoire d'un petit peu comprendre leur motivation. Parce que voilà, tu te réveilles un matin, t'es raciste, c'est un peu bizarre cette histoire. Alors peut-être que tous les racistes ont des flashbacks tragiques en mode méchant shonen, mais ça fait un peu trop de gens qu'ils aient le même type de flashback. Donc c'est pour ça, pour essayer de me mettre hors place, je vais être raciste pendant 24 heures histoire de mieux les comprendre. Alors là, ça va être un challenge un petit peu complexe parce qu'il va falloir que je tienne vraiment 24 heures tout en étant raciste. Ça va être très compliqué. Mais avant cela, j'ai fait une petite transformation histoire d'être un petit peu plus dans la peau du personnage. Voilà, là comme ça, je me sens plus imprégné dans le rôle. Donc nous allons pouvoir commencer nos 24 heures en étant raciste. C'est parti! Oh là là, je suis un honnête citoyen qui fait des choses honnêtes. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons trouvé ce qui va nous servir de première action de raciste, un petit peu, histoire de se mettre dans la peau du raciste et dans ses activités. Bref, nous allons interroger cette personne. Monsieur ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, je voulais savoir, vous êtes originaire de quelle région ? Kanto. Vous savez, on est en quelle région, là ? Kalos, pourquoi ? Et vous trouvez pas qu'il y a un petit problème ? Lequel ? Kalos, au Kalosé ! Alors, tu dégages ! Prends ça, sale cantonné ! Méga raciste. En fait, c'est comme faire le ménage, ça casse les couilles, mais une fois qu'on l'a fait, on est vraiment satisfait et on se sent beaucoup plus serein. Allez, on est qu'au début de nos 24 heures en tant que raciste. Donc alors, ça va paraître un petit peu paradoxal en tant que raciste, mais nous allons aller dans la cité, vous allez vite comprendre pourquoi. Je ne sais comment expliquer cette sensation, mais à la vue de ce personnage, je me sens pas très bien. Ouh, j'ai des pulsions. Attends, tu vas voir, toi. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu veux avec ton drap? T'es originaire de quelle région, toi? J'aimerais bien savoir. Bah, du quartier normal, dans le 3ème Mitz, au calme. Qu'est-ce que t'as cassé les couilles comme ça? Tu me mens! Ça se voit que t'es pas d'ici, toi. Allez, prends ça un peu. Top raciste. Il avait une tête très menaçante, je ne sais comment expliquer ça. Bon, maintenant c'est pas tout de se promener et d'aller au contact des gens. Donc nous allons faire l'activité préférée des racistes. Vous allez voir. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fiche avec une manette pro? Ah oui, dans la tête des gens, jouer à la console c'est pas très raciste, vous voyez. Cependant, détrompez-vous, les geeks racistes, ça existe, malgré ce qu'on dit. Et oui, l'activité préférée des racistes, évidemment, c'est de jouer Wolf dans Super Smash Bros Ultimate. Et de, avec ce skin en particulier, parce que Bleu Marine, tout ça, vous connaissez, évidemment. Bref, donc c'est parti pour tabasser des gens en ligne avec ce personnage, somme toute, des plus... Oh putain, Gerudo! Alors là, ça éveille mes gènes de racisme. Ah ouais, mais là, c'est un Gerudo vraiment très violent. La preuve ultime que les gens avec une peau différente sont très dangereux, vous avez la preuve. Et regardez, il m'agresse avec ses épées. Comment ça j'ai perdu? Comment j'ai pu perdre contre un Ganondorf? Ah non, mais le prochain, je vais vraiment le tabasser. Ça, rondoudou, j'aime bien, mais c'est pas pour autant que je vais être gentil. Voilà, le Wolf Bleu Marine affirme son autorité. Dans ta tronche, le rondoudoudou.
Ok, faut savoir un truc, malgré tout ce qu'on dit, les racistes savent se montrer utiles à la société, donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message à Game Freak. Pourquoi Game Freak, vous me direz? Parce que dans un Poké Savoir, mon professeur a dit ceci... Mais premièrement, essayez de les contacter de quelque manière que ce soit, et ce... Et au final, il l'a toujours pas fait. Voilà, donc moi, je suis là pour réparer un petit peu son erreur. Je vais écrire un message à Game Freak. Bonjour, je m'appelle Badoumi, je... Attends, quoi? Ah, je crois que cette séquence était tellement cringe que la caméra a pas supporté. Ouais, au final, est-ce que c'est pas plus mal? Bon, voilà, on a terminé le défi des 24 heures racistes. Donc, ça aura été assez particulier comme sensation. Au final, avec du recul, avoir la haine contre tout le monde, vouloir tabasser le premier venu... Putain, pendant une vidéo, j'ai eu l'impression d'être un mage, c'est incroyable. Bref, nous pouvons nous détransformer maintenant. Ah là, d'un coup, je me sens plus trop raciste. Voilà, c'était une expérience assez particulière. Donc sur ce, mes petits pigeons, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et dites pourquoi vous aimez pas les racistes. Si vous les aimez, pourquoi? Enfin, essayez de pas trop les aimer en fait. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.